السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله دائما في إطار ليفاليوسيون دياغنوستيك، التقويم التشخيصي اللي كيخص الأسبوع الأول من الموسم الدراسي الجديد 2021-2022. إذن اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو لا كونجوغيزون. بعد ما درنا لاكتيفيتي دو ليكتور ليكسيك اي غرامير، دابا غادي ندير معكم لا كونجوغيزون. عندي هنايا 7 كاستون، 7 ديال الاسئله، غادي نحاول نجاوب عليهم بالتفصيل باش تفهموا ان شاء الله كومون كونجوغي لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف او باسي كومبوزي او فيتور بروش او باسي ريسون دون تو لي طون ان شاء الله. داكور سي بيان. دونك جو في كومونسي بار لا بروميير كاستون، ريكوبي اون كونجوغون لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف. دونك هاد لي فيرب لي كاينين اونتر بارونتيز لي كاينين بين قوسين، غادي نحاول نكونجوغيهم فين؟ في لو بريزون دو l'indicatif. On va On commence par la première phrase. A. Les touristes, le verbe voyager en groupe. Le verbe voyager, c'est un verbe du premier groupe. Touriste, c'est quel pronom touriste? C'est il du pluriel. D'accord? C'est il du pluriel. Donc, voyage, nous allons dire, kanzoulo, er de l'infinitif, er kanzoula, ou kanzid, terminison. Terminison avec il, avec s, c'est ent. Donc, je vais dire, voyage, comme ça, on dit ENT. Ça fait voyage. La phrase B, les élèves, le verbe finir, leur travail avant l'heure. Maintenant, le verbe finir. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Comment on conjugue les verbes du deuxième groupe? Kanzulo IR ou Kanzido IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SEN. Je n'ai dit les élèves, donc il du pluriel. Donc je vais dire I2SENT. Donc fi, comme ça. On va dire I2S, I2S, ENT. Donc on va finissent. Les élèves finissent leur travail avant l'heure. La phrase C. Il se promenait dans le jardin public. Le verbe se promener, c'est un verbe pronominal. Mais je, radiyakhod me, ad, yitsarf le présent. Mais tu, te, mais il, se, mais nous, mais vous, et mais il, se. D'accord? Ou promener, gratsarf, ad, yijidan bhal, voyage. C'est bien. Donc, il, je me radindirou ma, andir ma, se. Donc, il, se. Je me dresse on pardonne, c'est rad, dresse à vlas, b, donc, na, b. B, ou un C. Ça fait. Donc C, je n'aurai d'une délo. Se promener, donc ce. Donc ce. On va dire pro. Me. Donc naya. Promène. On va dire zid en. Benzid ent. Ça fait. Ça vient. La phrase D maintenant, le verbe faire. Tu fais tes devoirs et tu sors. Le verbe faire, donc c'est là, là je fais, tu fais, il fait. Qu'est-ce que tu le marra, mais je suis un l'horaire RE, ou qu'un zidou chihaj. Donc, qu'est-ce que tu le. Donc, on a un zidou RE, haïdou. Donc, on a un haïdou RE, un zidou. Donc, tu, donc un zidou S. Parfait. Après, fait. D'accord. Tu fais tes devoirs et tu sors. C'est bien. Passe maintenant à la deuxième question. Recopie en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé. D'abord, je vais dire les verbes qui sont entre parenthèses. Je vais dire maintenant au passé composé. D'accord. La phrase A. Salim et Karim rugir dont. Donc, Salim et Karim, c'est le pronom il du pluriel. Le verbe rugir, c'est un verbe du deuxième groupe. On a dit le passé composé. Les verbes du deuxième groupe toujours se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. D'accord. عرفوا بأن لو باسي كومبوزي راه مركب من جوج حاجات l'auxiliaire avoir ou bien être plus le participe passé du verbe. Ici le verbe rugir, donc l'auxiliaire c'est l'auxiliaire avoir et le participe passé c'est rugi. Ça fait donc je me rends une vidéo. Donc okay, donc l'auxiliaire c'est on, hitach ils ont on, le participe passé c'est rugi. Avec I se termine. Ça va? La phrase B. Vous, le verbe parler, de quel sujet? Donc, Naya, le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. Comment se conjugue les verbes du premier groupe? Le participe passé, c'est simple, se termine par E accent. Et je veux savoir maintenant avec quel auxiliaire se conjugue le verbe parler? Avec l'auxiliaire avoir. Ça fait? Les verbes liés qui se forment à l'auxiliaire être, ou même les verbes dire le haraka. Ça fait? C'est bien. Donc, Naya, parlez-vous. Vous, vous avez. Donc, avez. Le verbe parler, elle dit, c'est là qu'elle parlait avec accent.
Très bien. Phrase 7, tu, le verbe répondre à toutes les questions. Le verbe répondre, c'est un verbe du troisième groupe. Le participe passé se change. Donc, il est répondu. Ou répondre à dit saraf mal auxiliaire, avoir. Donc tu as. Tu as répondu. Répondu. Avec U. Répondu. La phrase D. Nous descendre en ville tôt le matin. Donc descendre, c'est un verbe aussi du troisième groupe. Avec nous. Nous. Donc nous descendre. Donc d'ailleurs, fait haraka. Donc adit saraf mal auxiliaire, être. Donc nous, nous sommes. Nous sommes, on a comme mettre l'auxiliaire. Allez-y, le participe passé, c'est descendre, c'est descendu. Descendu. Vous avez dit le U? Non. Elle est chit. Qu'est-ce que la corde? Le participe passé qui se conjugue avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, nous, c'est le pluriel. Donc, je vais ajouter S. C'est bien. Donc, vous m'avez. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit l'amour. Ok. لما كنتوش كتشوفوا شي حاجة حاولوا ديروا لي شي ملاحظة في لي كومونتير. Maintenant la question 3 recopie en gardant que la forme convenable du verbe. Donc هنايا غادي نحاولوا نغارديو غير لو فورم او بيان لا فورم كونفونابل صحيح. Sortez dehors. On parle de l'impératif. Oui, l'impératif présent. Donc l'impératif présent, ou le hajar sen arfou bi annahu kitsarf faqat ma thalatha li pronoms. Asla li pronoms ma kaynich walakin kitsarf ma thalatha. Ma nous et vous. Donc A, est-ce que c'est sortez ou bien sort dehors. Donc هنايا هذا كيتسلب ENT c'est il avec S du pluriel. Asla ma adnach l'impératif. Donc صحيح هي sortez. On darbou ala hadi. Donc sortez, c'est B. Couchons-nous, se couche tôt pour nous laver à 6 heures. Donc on a rawad has, c'est couchons-nous. Et se couche à tani pluriel. Donc il a dit ma makinesh. La phrase c'est finisse ton travail et sors ou bien sortez. Donc là c'est très facile. Donc fini il est صحيح. علاش حيت هنايا انت ما عندناش اصلا fini هي مع tu. Donc هنا حتى هنايا خصها تكون مع tu. Donc sors هي هذه صحيحه هذه. Non. Ça fait. Donc, on écrit bon. Donc, on a sorti. Il est sorti. On a couché. Nous. On a. C'est fini. On a sort. Ça fait. Question 4 maintenant. Recopie et conjugue les verbes suivants à l'impératif à la personne demandée. Donc, à Saraf, l'impératif présent. La personne demandée. Donc, on dit. Qalulif A. Chanter, le verbe chanter, ça refoume à la deuxième personne singulier. M'as-tu, yani, hein, ça refoume chanter, l'impératif présent, m'as-tu. Donc, je vais dire, donc, m'as-tu, elle chante, elle dit, traque, chante avec eux. Ça fait. Elle dit, m'as-tu. Yani, je chante, tu chantes, ils chantent. Nous chantons, vous chantez, ils chantent. Chante, elle traque eux. Mais je suis ES. Et c'est le verbe du premier groupe, l'impératif présent, m'as-tu, qui est redoré eux, mais je suis ES. B, blanchir, c'est un verbe du deuxième groupe, mais je mets la première personne du pluriel, yani m'aïnou. Donc, à dire le blanc. Aïda, an haïdou da, yani 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 blanchissant. Blanchissant. Aïnès. Ça fait. La phrase c'est maintenant, courir, deuxième personne du pluriel, yani m'aïnou. Courir, c'est tout simplement, allez, un ir, aucun zido, e, z, lh, les n, le verbe courir, c'est un verbe de deuxième, de troisième groupe, pardon, ça va? Les, et la can, deuxième groupe, c'est un délo, deux s, i, deux s, ad, e, z, ça va? Maintenant, la question 5, conjugue les verbes suivants au futur simple de l'indicatif marcher, punir, écrire, répondre. Et pour l'ec, ça refait les verbes, f, l, ad, ou ma, fa, in, le futur simple. انا حاولت نصرفهم بلا باش ما نتعطلوش بلا ما نبقى نكتب انا هنايا دونك هنايا لي برونون بيرسونيل هنايا لو فارب مارشي بونير اي اكريغ اكريغ بحال ريبوند بحال نفس الطريقه دونك جو مارشيري tu marcheras il et elle marchera nous marcherons vous marcherez ils marcheront ils marcheront punir je punirai tu puniras il punira il et elle punira, nous punirons, vous punirez, ils puniront. Naya écrirait, écrira, écrira, écriront, écrirait, écriront. Ça fait? Donc le verbe kepka, wa wa, kenzido, les terminaisons du futur, lioma ai, as, a, o, n, s, e, z, o, n, t, c'est pas e, n, t, n, avec il, avec s. C'est bien.
On passe pour faire la question suivante. Recopier et transforme les phrases à l'imparfait de l'indicatif aux personnes demandées. غادي نحاول نصرف هاد لي فيرب فاين في لامبارفي دو لانديكاتيف دونك هنايا نو غاتخافايي خصني نصرفو دونك ترافايي اش غادي ندير له كيستيون 6 دونك ترافايي غتولي ترا هيدا دو زيل اش غادي نزيد اي او ان اس علاش حيت لامبارفي صافي مع نو بي عندنا باتيغ لي مور دو لا كومون افيك اي دو بلوريال Donc, avec « il » de pluriel, le verbe « bâtir ».« Bâtir », c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, « ba », « ba »,« ti », « dirulaka », normalement, c'est « ir ». Donc, « han » est « ir », « radin zid »,« i » de « s »,« ad », « radin zid », terminaison de l'imparfait, il y a « a », « i », « e », « n », « t ». Donc, « bâtissez », donc « il » de pluriel, quand ils disent « a », « a », « i », « e », « n », « t », l'imparfait. C'est le verbe « comprendre ». Le sujet proposé par la maîtresse avec vous. La deuxième personne du pluriel, radin ça faut comprendre l'imparfait. Donc c'est comprendre l'imparfait, c'est comprenier. En fait, quand un zoul de hédir zoul, atka, haka, yak, je radinzi tout simplement avec vous, je kenzidou, kenzidou, iz. Ça fait la phrase dès maintenant. Se trouver, c'est un verbe pronominal, donc radin sarfo mal la personne je, c'est tout simplement avec je, donc je me, donc radin dir me. Trouver, c'est radin zoul er radin sarfo radi, radin zid avec je, radin zid a i s, trouver, non trouver, ça fait. Passe à la dernière question, la septième question. Recopie et réécris les phrases en les mettant au temps demandé. Donc, on dit, on a commencé à dire les phrases, on va essayer de nous les verbes les filles selon le temps demandé. On dit le passé récent, on a mis les trois phrases. On a futur proche pour les autres phrases. C'est bien. On va essayer de savoir le passé récent, le futur proche. Le passé récent ou le futur proche, c'est très simple. Donc, passé récent. Le passé récent, c'est 4 rôles. 4 rôles, le verbe venir. Au présent de l'indicatif. Plus quoi? Plus l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. Le verbe libérer, ça veut dire travailler. Je viens de travailler. Ou n'aya venir. Mouraha 2. De darouria avec l'infinitif, vous savez, nisba le futur proche, mais chez le verbe venir, le verbe aller, le verbe aller au présent, ou quand il est l'infinitif, je vais finir, par exemple, je vais voir, je vais, c'est le verbe aller, ou aller ni voir, l'infinitif, vous savez, donc tout simplement. La phrase A, Salim finit son devoir, ou bien son travail. A, Salim finit son travail. On s'arrête le verbe finir, fait le passé récent. Le verbe finir, fait le passé récent, Salim. Salim, c'est quel pronom? C'est I, et du singulier. Donc, I, le verbe finir, c'est il vient. Il vient. Donc, tu peux chiner. Donc, super. Il vient. D'accord. Il vient de finir, oui, le verbe finir. Il vient de finir, hein, al-qaïda. Hada, c'est le verbe venir au présent. Andna de, ou hada, c'est l'infinitif. Ça va? Donc, A, hadi. Je vous fous B. Phrase B, il sort, le verbe sortir. Passé récent, tiens. Neuf, c'est chi. Chardin dilo. Ils viennent. Mais c'est B, c'est C. Donc, on s'en fout du passé récent. On s'en fout du passé récent. On va dire le futur proche. Et ils viennent de sortir. Le verbe sortir. Ils viennent de sortir. Nous avons dit E. Phrase E. J'ai dit le verbe chanter. Chante. Donc, on a obtenu L. Suivez avec moi. L. Elles viennent à obtenir 9 séchés. On s'en fout le verbe venir au présent de l'année. Ils viennent de. Le verbe chanter, il vient de chanter. Il vient de chanter, tout simplement. Nassalina pour le passé récent.
Maintenant, futur proche. La phrase B. Adnanou, le verbe chercher, cherchons le lieu du stade. Donc, on va dire le verbe aller maintenant. Donc, nous, voyez, nous, le verbe aller, nous allons chercher directement. L'infinitif direct. Hein. Ça, c'est verbe aller au présent. Voilà, c'est infinitif. L'infinitif. C'est très bien. Phrase D. Vous montez dans le train. Vous allez. Vous allez. Oh, le monter, c'est monter. Vous allez monter avec ER. Donc, verbe aller au présent, l'infinitif. Donc, on va la vidéo de l'évaluation diagnostique de l'activité de la conjugaison, toujours pour le niveau 6e année de l'enseignement primaire, mise apprentissage en français. Livret d'apprenants et d'apprenantes, la nouvelle édition 2021.